Mes chers compatriotes, bonjour. Depuis vendredi, nous travaillons tout le chiffre qui est dans le budget. Nous avons le budget là, sur annexe, sur appendix, analyse tout le chiffre qui est dans pour nous montrer où la vérité, parce qu'il y a un gros la fumée, vous direz, dans le lisier. Alors, nous commençons par guetter un coup. Qui est le pédiaire de nous? Combien de casse les faire? Quand casse la sortie? Et au final, est-ce qu'il ou pour une situation, comment nous dire en anglais, ou pour better off, ou pour mieux financièrement? Ou soit, ou pour d'une plus grande misère, d'une plus grande souffrance, et ou pour sentir ou qui ou pas peut qu'à se débout la fin du mois. Nous guettons goût, c'est qu'ils ont de nous comme il fait en termes de casse. Alors, nous commençons par pension vieillesse. Je n'augmente pension vieillesse, je dis à vous faire les 14 000 en juillet, je vous faire les 15 000 en janvier 2025. Il y a beaucoup de 4 millions roupies, d'un petit moment, vous montrez où, comment nous vînons ça, 4 millions là. Je veux dire, vous avez donné une égalité d'essence à la WENS de 2000 roupies, qui vous coûte 1,2 million. Je vais vous montrer comment on arrive au chiffre là. Et après, je veux dire, vous, en termes de income à la WENS, child à la WENS, school à la WENS, vous avez donné une casse qui saute dans CSG, 3,8 millions, 0,2 millions, 2 millions. Après, je veux dire, vous, vous donnez une maternité à la WENS, comme une madame pour 15 enfants, pendant une période de 9 mois, disabled à la WENS, SOM, une casse en plus qui peut donner. Internet gratuit, 18 à 25 ans, il coûte 0,3 millions, c'est-à-dire 300 millions de roupies. Frais SI, HSI pour ban repeaters, il coûte à peu près 100 millions de roupies. Ban prime à l'emploi pour ban madame un peu plus âgée, il coûte à peu près dans les 500 millions de roupies. Et gaz ménagé qui l'in baissé, ça lui fait à peu près 200 millions, c'est-à-dire 0,2 millions. Si nous ajoutons tout ce qui l'in de nous là, il coûte 13 millions de roupies, mes chers compatriotes. 13 milliards de roupies, 13 000 millions de roupies qu'il y pour de nous. À cette zagueté, qu'il y peut prendre en haut. Mais avant qu'il doit arriver là, nous guettons Ban Sifla, comment nous comptabilisons Ban Sifla pour comprendre bien qui ça fait coûte combien. Nous commençons avec ça. CSG, comme à la WENS, Charles à la WENS, School à la WENS là. Nous pouvons trouver à l'écran 110 000 du monde qui paye tous en bas 20 000 roupies pour gagner 500 roupies en plus. Les bouvines 20 000 astères, ça veut dire ça même qui met un peu le revenu minimal. Mais ça, 1500 roupies, mais tu fais pas 13 mois, mais tu fais pas 110 000 du monde, il fait ou 2,1 millions qui savent coûter. Après, on a un du monde qui touche 20 à 25 000 roupies, et dans 55 000 du monde, dans sa paquette là, il fait 500 roupies en plus, et ça, 500 roupies là, tous les mois, mais tu fais pas 13 mois, il fait 0,4 millions. Là, même vous trouvez une anomalie là. Quand du monde met tout ça en bas 20 000 roupies, il gagne 1500 en plus astères. Quand du monde met tout ça en bas 25 000, il gagne 500 en plus. Quand tu veux 230 000, il gagne 1000 en plus. Quand tu veux 230 et 50 000, il gagne 500 en plus. Mais comment se fait-il que ceux qui ont 20 000, 25 000 gagnent 500 roupies en plus, mais ceux qui ont 25 000 à 30 000 gagnent 1000 roupies en plus, ça va même connaître. Mais tout ça là, il faut coûter 3,8 milliards de roupies. Maintenant, nous vidéo Charles Allowance, 0 à 3 ans. Je veux dire, il y a 36 000 enfants qui sont en situation là. Et il gagne 500 roupies en plus. Pendant 12 mois, il fait 0,2 milliards. Et il y a 80 000 enfants entre 3 ans et 10 ans qui vous gagnent 2 000 roupies. Pendant 12 mois, il fait 2 milliards. En tout, total, il fait 2,2 milliards. Ça veut dire que si vous guettez là, dans sa 13 milliards qui m'ont dit, vous avez donné en plus là, 6 milliards, c'est à travers CSG Income Allowance, CSG Child Allowance et School Allowance. Mes chers compatriotes, ça 6 millions de roupies là, ils sont en travailleur et ils sont en employeur de sa bande travailleur là. Laisse-moi montrer où c'est qu'ils ont même nous ont mis dans ce budget à la page 500 qui vient montrer où clairement qu'on a sorti pour de nous ça 6 millions de roupies là. Ça veut dire ça CSG comme à la WENS qui veut dire que de nous 1500 roupies, 500 roupies, 1000 roupies, 500 roupies et que ça tient à la WENS de 500 roupies augmentation là, plus à nouveau 2000 roupies pour ma enfants jusqu'à 10 ans là, total c'est 6 millions et guette que casse là sorti, ils sautent directement depuis dans poste travailleur, dans ou poste et dans poste ou employeur. Alors comment on peut trouver à l'écran, page 500, appendix A, revenu, qui gouvernement, pas d'ailleurs, il vient de montrer où, il vient de montrer où, que l'argent peut sortir en termes social security contribution. Si vous regardez le chiffre total, mes chers compatriotes, c'est 13,4 milliards de roupies qui peut prendre en ou à travers contribution sociale. Et dans ça, 13,4 milliards là, vous trouvez contribution CSG
des employés du secteur public et des employés du secteur privé, il fait 1 milliard 30 millions et 3 milliards. Ça veut dire, mes chers compatriotes, 4 milliards roupies peuvent sortir dans OUPOS en forme de contribution CSG. Quand il dit, vous avez donné 6 milliards là-bas, 4 milliards peuvent sortir déjà dans OUPOS. À cause de ça, tout le temps, vous trouvez que vous n'avez pas besoin de débouler. Je ne peux pas croire qu'on est content qu'on ait un casse, mais qu'on a besoin d'un OUPOS même. D'après ce chiffre, qui lui-même dit, 2024-2025, il vous prend 1 milliard avec ban employé du secteur public et 3 milliards avec ban employé du secteur privé. Maintenant, ban employeur de sa ban travailleur là, secteur public et secteur privé, secteur public pour mettre en cours des milliards là-dedans, et secteur privé sur ban employeur, il vous met 6 milliards. 1,5% vous contribuez, 3% vous employeur contribuez. Si vous gagnez plus casse, vous contribuez 3%, vous employeur contribuez 6%. Ça même casse qui fait bien tirer en haut, et après vous venez de nous, la moitié de ce qu'il prend. Qui veut dire qu'ici, il prend 1 milliard, 3 milliards, 2 milliards, 6 milliards. Et en banque self-employed aussi, en banque self-employed, il prend 220 millions. Alors, quand on prend 1 milliard, 3 milliards, 2 milliards, 6 milliards, et que ça 220 millions là, vous trouvez qu'il va prendre à peu près 13 milliards de roupies en haut pour de nous 6 milliards en retour. Mais qui veut dire que tout le monde prend 13 milliards en haut et pour employer et lui donne 6 milliards, la moitié. Ça veut dire qu'il va prendre des fois plus que ce qu'il peut donner. C'est aussi simple que ça. Si nous regardons sa slide avant là, CSG allowance, income allowance, school allowance, child allowance. Mais tout ça, ben, fait là, coûte 6 millions, mais quand il prend, en termes de CSG, il prend 13 millions. À ce temps, on comprend comment il s'est la fumée dans l'olivier. Tu gardes nous des fois plus. Tu gardes nous des fois plus cette façon de parler. Parce qu'il prend 13 millions, il donne 6 millions. Maintenant, nous retournons, les autres affaires qu'ils ont de nous, pensons vieillir, c'est tout le reste, et nous allons guetter que casse la sortie. Alors, je donne nous 13 milliards, 6 milliards, bon, fini, explique-vous. Ça, 6 milliards là, c'est ça. Ça. C'est-à-dire CSG Income Allowance, CSG Child Allowance et School Allowance. Ça fait 6 milliards. Et ça, 6 milliards là, je ne prends 13 milliards à travers CSG en haut. Je vais prendre 13 milliards à travers CSG en haut pour devenir ça, 6 milliards là. Prends le double. Maintenant, nous get retirement. Pension, invalide ou flin veuve, il y a 310 000 bénéficiaires, 1000 roupies qui peut gagner parce qu'elle partie de nous 500 roupies à partir de juillet, elle partie de nous 500 roupies à partir de janvier 2025. Alors nous prenons à average 1000 roupies, multiplié par 13 mois, quand vous multipliez, il fait 4 millions de roupies. De l'autre côté, égalité des chances à la WENS, il y a 50 000 households, 50 000 familles qui vous gagnent 2000 roupies par mois. Ça, si moi, pas trop comprendre parce que d'un côté, il y a un revenu minimal pour finir arrive 20 000 roupies. Et ici, il peut dire que c'est pas un household, c'est en bas 20 000. Bon, pas fait dans rien, ça, il y a des affaires. Mais il peut dire 50 000 pour gagner 2 000 roupies pendant 12 mois, 1,2 milliards. Après, il y a un amant les autres à la WENS, maternity, disable, SOM, fait 0,7 milliards. Internet gratuit, quand nous faisons le chiffre, il fait 300 millions, 0,3 milliards. Prêt CHSI, 0,1 milliard. Prime à l'emploi, 0,5 milliard. Et gaz ménager, 0,2 milliard. Ou tout, mes chers compatriotes, fait 7 milliards qui de nous. 6 milliards, vous finissez de montrer où, sur dans CSG, Casta sur dans web. Au fait, il prend 13 milliards pour de nous 6. Ici, 7 milliards, en termes de sa bande d'affaires que vous pouvez trouver là, nous guettons que Casta sorti. Et pour cela, nous rentrons dans ce budget encore une fois. Et là, à la page 498 du budget, appendix A qui montre où revenu. Là, mes chers compatriotes, où vous trouvez exactement l'énormité de ce qui se peut faire autour. Ce qui se peut être dans l'Olivier là, c'est un affaire extraordinaire. Get le taxe qui gouvernement vous prend en haut en 2024-2025. Combien de cas vous tirez en haut? Nous commençons premièrement par nous guetter ce qu'ils appellent income tax pour un individu. Income tax pour un individu, ce chiffre pour 2023-24, qui a stère du côté comme il était, lui fait où 13,8 millions. 13,8 millions, c'est income tax qui va nous payer contribuable.
L'année prochaine, chiffre là pour venir 16,7 milliards. Là déjà, si vous prenez 16,7 milliards ou 13,8 milliards, vous pouvez payer taxes en plus en tant qu'individu de 3 milliards à peu près. 3 milliards vous pouvez payer en plus comme income tax. Mais ça, ce n'est pas tout. Plus important pour vous, mes chers compatriotes, en tant que consommateur, pris dans la boutique, vous connaissez combien vous pouvez payer en plus l'année prochaine en termes TVA? Si vous mettez une cassette là, TVA, General Tax on Goods and Services, Value Added Tax, pour l'année 2023-24, on paye 56 milliards de roupies de TVA. Ça, aucune payée. Combien vous payez l'année prochaine, 2024-25, si ce gouvernement là reste en place, ou vous payez 65,6 milliards de roupies TVA? Est-ce que vous comprenez que casse-saut dans ou pousse. Plus prix monté dans la boutique. Plus tout ça fait une blessure. Plus pas d'ailleurs que ce gouvernement gagne plus beaucoup de casse pour les autres, les autres en forme de TVA. Alors, si nous comparons 2024, 56 milliards qui nous prend et coûts en forme de TVA et 65,6 milliards qui pour prend en ou 2024-25 en fonds de TVA, différence fait où 9,5 milliards de roupies. 9,5 milliards de roupies en forme de taxe TVA qui ou pour payer en plus, ou pour payer en plus l'année prochaine, prix pour continuer à monter. Plus, ceux qui payent une taxe pour payer 3 milliards en plus l'année prochaine. 3 milliards et 9,5 milliards fait où 12,5 milliards taxes qui la population ou pour payer en tant que contribuable et en tant que consommateur. Ça 12,5 milliards là, en sac à cela, qui vous pouvez trouver, l'inobank pension pour 4 milliards, et l'inobank tout, ça va te laisser autant la wens qui lui raconte maternité, comme vous avez enfants 9 mois, l'inobank tout ça va faire SOM, plus en même temps internet gratis, l'inobank gaz, tout ça là coûte 7 milliards. 10 taxes qui vous prend en haut l'année prochaine, qui lui fait 12,5 milliards. Mais comment il donne 7 qui prend 12,5? L'autre côté, CSG, il donne 6, il prend 13. Ça veut dire que si vous prenez en total, il met 12,5 milliards en haut en fonds de taxes, TVA et income tax. Et il prend 13 milliards en haut en termes CSG. Si je prends 12,5 et 13 milliards CSG et taxes qui lui prend ou direct ou indirect, 25 milliards en plus, je dis bien, en plus, ce n'est pas la totalité, c'est en plus de cette année-ci, l'année prochaine, vous prenez 25 milliards en ou en plus. Pour de nous quoi? CSG, comme allowance ou l'allowance avec child allowance, et de l'autre côté, augmentation de pension vieillesse avec internet gratis, avec maternity allowance, avec serviette hygiénique avec ses parquets libés de nous, tout ça là pour faire 13 milliards, mais ici, il peut prendre 25 milliards ou je peux couiller nous, je peux en bétou, je ne sais plus gros la fumée d'Olivier. Et depuis sa vie de passé vendredi, Reform Party, nous, l'équipe de Narcisé, nous travaillons tous les jours. Ou vous trouvez mon panel local radio, ou vous trouvez mon panel même faire grand commentaire, nous travaillons d'abord et nous, c'est le parti politique qui peut venir durant aujourd'hui pour montrer où, comment Banna peut coquin où, comment je peux en bétou, comment je peux être la fumée d'Olivier, et comment il y a certains dimons dans Maurice qui ne peuvent pas comprendre. Et Banna, je peux abîmer l'ignorance de certains dimons là, peut abîmer la faiblesse de certains dimons là, pour faire je crois qu'il y a là, il y a ou pour chauffer ici d'augmenter, à la ou gain maternité à la WENS, à la ou gain égalité des sens à la WENS, etc. etc. Mais tout cela, c'est une façon pour venir à bisous. C'est une façon que pour prendre 10 fois plus, donne 13 milliards, prend 25 milliards. Mes chers compatriotes, dans Bidze, je te montre où aussi, qui casse le poil dépensé dans l'année à venir. Ce gouvernement-là n'est pas capable de rester du tout. Get l'eau l'écran pour finir comprendre qui fait.
Li montre où ce ban estimé pour 2024-25, pour 2025-26, 2026-27. Ou connaît combien taxes li pou prend en ou lo ban goods and services, lo ban produit. Si ou get sa chiffre là ou pou gen souk. Chiffre là c'est 134 milliards mes chers compatriotes. Tax on goods and services qui pas d'Ayati et Pravin Jagnat et ce gouvernement si je t'encore resté je pour prendre en ou en 2026-27, je même je ne mettre je chiffre 134 milliards 199 millions de roupies, c'est en millions, 134 199 millions de roupies qui je peux prendre en où? Dans deux noukas, je peux finir où? Je peux finir la vidéo aux enfants. Au moins, ça bout là où vous allez comprendre. Dans Bidze, ça l'année là, je même je ne mettais. En 2022-23, tax on goods and services, je te prends en où? 84 milliards. 2026-27, si je reste au pouvoir, je te prends 134 milliards. En l'espace de 3 ans, 4 ans, un gouvernement prend 50 milliards roupies taxes, le goods and services. Ça, c'est Reform Party qui m'invite à la fumée de l'Olivier. Mes chers compatriotes, nous ne travaillons pour vous, nous pas de Paul-Bon, nous pas Nelly, nous extra-parlementaires. Reform Party, tout ce même candidat, entier Maurice, pour tapou la haute pour des manouvotes. Nous pouvons dire où, qu'est-ce qui nous permet de faire ça 80 réformes là. Quand vous pouvez ça 80 réformes là, vous trouvez une vision pour l'île Maurice. Où vous trouvez comment donner ça qu'un ce sens. Où vous trouvez comment mettre un l'autre dans des autres là. Où vous trouvez comment nous faire l'avenir ZDS. Où vous trouvez comment nous amener prospérité pour les peuples. Ça 80 réformes là, c'est ce qui nous paye bizarre pour ça, nouveau l'île Maurice là. Mais tout ça va nous la fumer qui se disait dans l'Olysée là. Que ce soit le gouvernement de Jagnat, que ce soit Navin Rangoulam, tous les DP Kouyoudou. D'ailleurs, Navin Rangoulam, il vient de dire, on a copié ce Mézien, mais dans Bidze, et qu'il dit, si tu peux faire pareil avec ce matin, et qu'il dit, avec lui, tu peux pas venir du monde, la réunion, tout. Et plus, il vous donne un internet gratis, tout ça, la vie ici. Alors, tout ça, dans du monde là, je peux mettre la fumée dans l'Olysée, je peux en péter tout. Sans zé, mes chers compatriotes, donne votre la réforme partie dans tous les 20 circonscriptions. Laisse-nous en faire sa nouvelle île Maurice là. Sans zé, maman.